je m'appelle Lynn, j'ai 22 ans et j'habite actuellement en région parisienne. J'ai décidé de réaliser un GRE et un bachelor en administration des affaires au Canada et plus précisément dans la région de Québec à Chicoutimi. Donc du coup, ce qui m'a vraiment surprise, c'était le froid parce qu'il fait vraiment extrêmement froid. En fait, il arrive parfois des tempêtes de neige qu'on pouvait passer en une nuit de 0 degré à moins 40 degrés. Donc pour cela, on devait vraiment être équipé et s'habiller chaudement avec des grosses doudounes, des grosses bottes, des après-ski et des pantalons de ski. J'ai aussi été surprise par la beauté des paysages au Canada. C'est vrai que peu importe la saison, le Canada est un très beau pays. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le Canada sous toutes ses formes, c'est-à-dire en partant de la région de Québec jusqu'à Montréal. Donc ce sont des régions qui sont plutôt francophones. Et d'un autre côté, j'ai aussi pu visiter la partie qui était plus anglophone, donc plus américaine, qui était Toronto, avec de grands buildings, de très beaux points de vue, comme par exemple la CN Tower, et puis bien sûr l'incontournable de Toronto, qui sont les chutes du Niagara. En hiver, il y a beaucoup d'activités telles que le ski, telles que la luge, le chien de traîneau et tout ce qui est spa nordique aussi. C'est vraiment les incontournables à faire. Et puis bien sûr, en été, avec de nombreux festivals qui se passent la plupart du temps à Montréal. J'ai pu aussi manger des spécialités québécoises. Il faut absolument goûter la poutine, donc la poutine qui est un plat incontournable au Canada et je vous recommande la banquise comme restaurant. J'ai pu voyager à New York par le biais de mon université et puis bien sûr tout ce qui est île ou Mexique. Et moi personnellement, j'ai eu l'occasion de partir à Cuba. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de voyager dans les pays alentours. Je peux vous donner un exemple, le vol de Montréal à Cuba, ça doit durer environ entre 3 et 4 heures. Donc voilà, j'ai vraiment vécu une expérience unique dans un pays magnifique qui reflète des valeurs culturelles et des valeurs humaines que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Les Canadiens sont vraiment des personnes ouvertes d'esprit et puis vraiment très accueillants. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous aurai donné envie d'aller au Canada.